Hey, salut amis gardiens, c'est Destler. Alors vous demandez comment avoir des pièces étranges facilement. Eh bien si vous avez un peu joué à Destiny après le level max, vous avez dû avoir des particules de lumière. Donc avec ces particules de lumière, vous allez gagner des pièces étranges et aussi de la réputation pour la faction que vous voulez. Donc c'est tout simple, vous allez à la tour et vous allez voir un des maîtres de faction. Celui que vous avez, le moins de réputation, ce sera plus rapide pour monter en rang. Puis, il va vous proposer plusieurs ressources échangées contre de la réputation. Et là, c'est ici que vos particules vont vous servir. Donc, vous utilisez toutes les particules de lumière que vous avez pour avoir de la réputation. Et ensuite, quand vous allez gagner un rang de faction, vous allez recevoir un cadeau. Donc, vous l'ouvrez et à l'intérieur, il y aura plusieurs pièces étranges. Donc, c'est simple. Et par contre, si vous avez aussi des cartouches d'armes lourdes en trop, vous pouvez aussi les échanger contre la réputation, ça marche aussi. Voà, donc ça c'était la première astuce. Il y a encore une autre astuce, donc ça marche pas à tous les coups celle-ci, mais ça permet d'avoir des pièces étranges et pas mal d'XP. Donc la deuxième astuce est de faire un maximum de contrats PVE et PVP. Une fois validés, ils vont donner peut-être, et j'ai bien dit peut-être, des pièces étranges. Alors il y a une troisième astuce, est de faire un maximum d'assauts et de nuits noires, et aussi la prison des vétérans, enfin aussi toutes les choses qui vous permettent d'obtenir des récompenses chaque semaine ou chaque jour, car généralement elles vous donnent pas mal de pièces étranges. Donc elles peuvent aussi vous donner aucune pièce étrange, mais la majorité du temps elles vous donnent quelques pièces étranges. Donc par contre je vous conseille de faire cette troisième technique avec vos amis, car en solo ça peut être assez long puis assez dur. Donc il y a une autre astuce qui marche, c'est de récupérer les coffres dans les zones en mode patrouille. Donc vous savez, les petits coffres qui se cachent généralement dans les grottes ou les ennemis spawn et qui permettent d'avoir des ressources de la planète, aussi peuvent looter des pièces étranges et aussi même parfois des engrammes. Donc c'est vraiment bien, donc si vous pouvez les farmer, faites-le. Comme ça vous aurez des ressources, des lumens, des engrammes, des pièces étranges, des particules de lumière. Vous pouvez looter à peu près tout ce que vous avez dans le jeu, dans ces coffres. Donc j'espère que ce tuto sur comment avoir des pièces étranges facilement vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à partager la vidéo avec vos amis. Allez, c'était Destler et je vous dis bon jeu gardien.